Yo l'équipe, nouvelle vidéo et on est là pour la seconde partie de mon immersion avec Bondy. Aujourd'hui c'est le match Bondy U14 R3 contre Épinay, équipe de haut de tableau en U14 R2. Oui, sur le papier Épinay est favori, mais je vous assure que Bondy c'est très très méchant. Les gars, évidemment on va pas trop parler, on part tout de suite sur le match avec Bondy. Let's go. Roat, je m'appelle Roat, éducateur U14 à l'AS Bondy. On a commencé l'année, moi je dis tout le temps, en juin. C'est-à-dire que dès qu'on a remporté cette finale Coupe 93, là, on s'est directement projeté sur la saison d'après. On a préparé la cohésion, l'esprit d'équipe qu'on recherchait. On a présenté le projet de jeu, le projet d'entraînement. Ça nous a permis en septembre de bien commencer avec de bonnes bases. Et donc aujourd'hui, bilan à la mi-saison, c'est qu'on est plutôt satisfait. Aujourd'hui, on va jouer le club d'Épinay. Donc c'est un bon club du 93 qui nous accueille toujours bien. Les gars, on est tués aujourd'hui, les gars. Et ça, on est tués de l'engagement. Bondy. Thank you.
me fais un petit coup de semelle, je prends les infos, puis je peux tendre mon ballon sans dégager en visant mon œuf, et ben c'est magnifique. Il n'y a pas de prise d'info, les défenseurs. Vous recevez la balle, vous ne savez pas quoi faire. Et dès que vous avez la balle, vous voyez trop court. Mais qu'est-ce que je peux faire? D'abord, je vois loin, je vois les mouvements de mes attaquants, parce que c'est ce qu'on a travaillé cette semaine. Vous jouez très rapidement, deux touches, deux touches, deux touches, deux touches. Et il n'y a pas d'adaptation. Bonjour, je m'appelle Yacine Zerwal, je joue au club de l'AS Bondji. Je suis attaquant pointe en U14, on est en R3, on vise la montée en R2. Pour ma part, je vise les 100 buts avant la fin de la saison. Et en championnat, je suis à 40 buts. C'est pas possible que nous, on a enchaîné 3 passes, c'est pas possible. On a un ballon, vous voulez tous aller devant. On a un ballon, vous voulez tous faire 3-4 touches de balle. Ah mais sérieux, rendez-vous disponible entre lignes. Le foot, il est simple. T'es dispo, on te la donne. Ah sérieux. Tout le monde veut gratter, tout le monde veut quelque chose. Sérieux, changez cet esprit-là. Venez avec des objectifs en match, venez avec des objectifs en séance.
Donc retour du match, dans l'ensemble on va dire satisfait parce qu'on a, vite retrouvé nos, entre guillemets, notre signature qu'on pose et qu'on a, l'habitude de mettre en place. C'est-à-dire que vraiment en termes de course, de rigueur, de placement, de concentration et de gestion de temps faible, on a vraiment excellé sur ce domaine. Donc sur ce point on est vraiment vraiment satisfait. Maintenant sur la sortie de balle, sur quelques combinaisons qu'on arrivait mieux à faire avant les vacances, on a eu beaucoup plus de masse sur ça. Vous allez avoir 14 ans en 2024. Passer un cap un petit peu là. Ah, mais dans l'ensemble c'est un peu compréhensible, c'est la reprise, mais on en est satisfait. Le fait de gagner c'est anecdotique, mais ça permet aussi de prendre en motivation et de l'enchaîner sur un bon rythme. Bon les gars, fin du match, vous l'avez vu, victoire de Bondy 4-0. Quand je vous dis que Bondy c'est très très méchant. Vous l'avez vu aussi, le coach n'était pas extrêmement satisfait, mais c'est normal les gars, le mot d'ordre c'est l'exigence. Si vous voulez être la meilleure équipe du monde, évidemment il faut travailler et avoir beaucoup d'exigences. En tout cas les gars, moi j'ai adoré mon immersion avec Bondy, j'ai découvert des jeunes super cool, agréables, super bons, travailleurs, avec un coach incroyable, évidemment que Bondy peut faire des grandes choses. Je leur souhaite évidemment le meilleur, le championnat plus la coupe, mais moi vraiment j'ai adoré. Les gars, si vous avez aimé les immersions, bah dites-le moi en commentaire. Pensez aussi à liker, commenter la vidéo, à la partager et nous on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo et peut-être une nouvelle immersion. Ciao l'équipe.